Voici donc le numéro 25 qui nous est présenté par Laura Lemire. Alors, c'est une fille de Curie d'Or, c'est un mot très important dont on va parler dans quelques instants. Et Redline, sa mère, est fille de prince de Gibraltar, la famille de Redline qui a gagné le prix Émile de Boléon à Toulouse, de cette beau Mistod en plat, couche de plat international à la base, puisque la grand-mère, elle est par le crack américain Smart Strike. Et l'arrière-grand-mère par l'autre crack américain Asian Inis. À toute fois, la mère de Redline s'est gagnée en obstacle, puisqu'elle s'est imposée dans le prix du générique. Allez, on va pouvoir marcher maintenant avec cette future Curie d'Or. Alors, Curie d'Or, c'est un étalon très important. Hein. C'est vraiment l'un des meilleurs étalons français reconnu à travers l'Europe, notamment via les succès de son fils dont je vous parlais il y a quelques instants. J'ai dit pour reconnu Curie d'Or qui a même les honneurs d'avoir un grand avance sur lui dans le Racing Post hier. Revue pour les professionnels tout le monde en Bloodstock avec un article extrêmement intéressant rédigé par Martin Stevens qui a expliqué les leçons de Curie d'Or par rapport à la gestion de la Curie d'Or. Allez, on va continuer à marcher si vous voulez poser des questions. Voilà, c'est aussi Banana Nest, on est encore Wood. Ici au Manic, imprenable, Jigipot, Royal Elite. Ah, c'est cette ligne. Allez, Jigipot, la montée. Elle est née le 25 février.